Salut les gens, c'est Bami25 et aujourd'hui Morve l'Entrepreneur pour l'épisode numéro 8 de notre aventure sur MindQuest. Donc c'est parti, donc il y a surtout une grosse information, un truc important, une grande nouveauté, vous pourrez le voir au titre de la vidéo. Hein. Donc déjà pour commencer, j'ai encore changé de pack de texture, il ressemble un peu à celui d'avant mais il est pas exactement pareil. Ah oui, j'ai aussi téléchargé les modes Raymap, donc c'est ce que vous voyez en haut à droite. Donc, parce que moi je suis complètement nul en orientation sur Minecraft, donc c'est pour ça que j'ai téléchargé ce mode. Ce qui permet de me retrouver beaucoup plus facilement. Donc, on va commencer tout de suite. Donc je vais un peu vous montrer les objets avec le nouveau pack de texture. Donc là, hop. Je vous dis tout de suite le stuff de diamant est hyper stylé. Ah oui, et puis j'ai téléchargé mode Too Many Items aussi. Mais vous inquiétez pas, je ne l'ai encore jamais utilisé. Je ne l'utiliserai jamais dans cette aventure suivie, je l'annonce. Je vous le promets, voilà. Et vous pouvez me croire. Donc celui-là j'utilise pour les maps, c'est que j'ai pas trop envie de me prendre la tête, tout ça. Donc regardez un peu l'armure de fer comme elle est trop stylée avec ce pack de texture. Non mais sérieux, regardez moi un peu ça, c'est pas beau? Franchement moi je la trouve ultra stylée. Ça c'est l'armure de fer. Ah merde. Donc je vais vous montrer l'armure de diamant. Enfin, déjà un peu le stuff de diamant, donc là c'est la pioche, on voit. Et puis il est là, voilà. Regardez ça, comme c'est trop stylé quoi. Les trucs de diamant, l'épée, même la faux, la pelle, tout est stylé. Là elle est trop belle aussi. Et là, ça c'est l'armure de diamant, elle est trop belle. Donc, comme vous voyez, voilà, 1, 2, 3, je recommence. Comme vous voyez là-bas, il y a une espèce de petit carré rouge, petit losange rouge, enfin, comme il est placé. Et vous savez qui écrit portail de l'Ender. Portail Ender. Je vais vous montrer. Tac. Ça c'est le menu du Raymap, donc c'est ce qu'on a là. Hein. Et là j'ai les waypoints. C'est des. En gros c'est des petits points. Voilà quoi. Donc là j'ai maison, c'est ce qu'il y a là. Hein. Avec le truc là. Et il y a. Portail Ender, donc qui est en rouge, donc c'est le truc qui est là-bas. Et parce que j'ai cherché, hein, enfin, pour ceux qui savent pas, ça se cherche avec des je sais même plus comment ça on appelle ça, c'est des yeux de, c'est des yeux de, on dirait comme des yeux de d'Enderman, enfin voilà, je sais plus comment ça s'appelle. Donc j'ai trouvé, il est déjà activé, j'ai déjà tout mis tout parce que en fait, pour ceux qui savent pas, attendez, je vais un petit peu schématiser les. Je vais un peu schématiser ça sur le sol. Comme ça vous pourrez bien voir pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bah des torches. Je vais mettre dans le sable pas. Désolé pour... voilà, je vais mettre là. Donc, le portail de l'Ender, vous arrivez, vous êtes dans une espèce de donjon. Dans une mine toute fabriquée. Donc vous arrivez et là, vous avez... Attendez, je fais... Hein. Tac, donc vous avez là à chaque torche, vous avez des espèces de blocs qui s'appellent des blocs de l'Ender. En fait, c'est des blocs spéciaux pour le portail de l'Ender. Et là, vous placez l'espèce de dieu d'Enderman dessus. Et quand vous les placez sur tous les cubes, et ben ça active le portail de l'Ender. Et il est déjà activé là-bas. Donc, j'irai me taper le dragon. De l'Ender dans l'épisode 10, donc comme ça vous savez, ce serait une petite série, hein. Franchement c'est ma première série Minecraft, donc pour qu'elle soit petite, donc dans l'épisode 10 on ira se farcir l'Ender Dragon, et je sens que ce sera épique. Donc encore deux épisodes et on va se faire l'Ender Dragon, quoi qu'il en soit. Là je vais créer un coffre spécial pour mon stuff, pour quand j'irai dans l'Ender. Tac 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 tac.
poser, je vais le poser, je vais le poser en haut parce que j'ai pas de place. Poser tac. Et dedans, je vais mettre tout le stuff que je vais emporter pour me faire le l'Ender Dragon. Donc, ce qui est l'épée en diamant, ouais, la pelle en diamant, toute l'armure en diamant, parce que j'ai vachement miné. Hein. Enfin, ça, j'avais déjà depuis longtemps là, l'armure, mais j'avais vachement miné, donc du coup, j'ai pu faire un stuff de diamant de fou. Bien sûr, je vais essayer d'enchanter le maximum de ces objets. Donc, avec ma table d'enchantement qui est là-bas, les flèches, mes flèches, mes flèches, je les ai mises là. Tac, tac, tac. De quoi j'aurais besoin d'autre aussi? Ah oui, je vais avoir besoin de terre pour pouvoir monter, parce que pour ceux qui savent pas, enfin je sais pas si tout le monde sait, mais en fait moi je me suis déjà fait l'Ender Dragon dans des autres parties, hein, mais en fait donc il y a des espèces de tours de d'obsidienne sur dans l'Ender, où c'est que au-dessus il y a des espèces de régénérateur de vie pour l'Ender Dragon, donc il régénère sa vie grâce à ça, et il faut les exploser, et puis elles sont assez en hauteur, donc j'aurais besoin de terre pour monter quoi, pour les avoir, et beaucoup de flèches aussi. C'est pour ça que là j'en ai déjà fait plein. De quoi est-ce qu'on va avoir besoin aussi? Ouais, un petit peu de gravier, je pense. Enfin non, pas besoin. Vu mon stuff de fou, j'ai pas besoin aussi. Une pioche en diamant aussi. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Ben un arc peut-être. Ce serait pas mal. Et je vais même en... Ah oui. Et ce que je vais prendre aussi, c'est des gâteaux. J'en ai déjà trois là. Parce que vous allez me dire pourquoi des gâteaux? Ben, pour prendre la vie, pour reprendre la nourriture, hein. Mais je retrouve très pratique parce que ça, il y a juste besoin de faire un clic droit dessus pour que ça reprenne la vie, tandis que les autres, il y a un petit laps de temps pour qu'ils mangent. Donc c'est un peu pénible contre l'Ender Dragon. Mais je vais bien sûr prendre la nourriture normale aussi. Attendez, faut que je trouve la nourriture. Je vais prendre ce qu'il y a de mieux, autrement dit celle rôtie de porc, ce qui rend le plus de vie. Peut-être que je me ferai des pommes en or aussi, ce serait pas mal ça. Où est ma bouffe? J'ai plus de bouffe ou quoi? Ah oui, c'est vrai, j'ai tout mis là-dedans. C'est un distributeur de nourriture ça. Ça m'a donné quoi là? Du poisson. Donc je prendrai poulet Saint-Hubert. Comme ils appellent ça. Ça me fait marrer. Donc je vais prendre plein de trucs aussi. Plein de nourriture. Donc voilà, je vais tout mettre ça dans le coffre, qui est le coffre spécial du stuff que j'utiliserai dans l'Ender. Enfin, de tout ce que j'utiliserai pour me farcir l'Ender Dragon. Tac, tac, tac. Toutes les flèches. Les flèches, on a besoin de beaucoup pour l'Ender Dragon. Hop, tout ça, la nourriture. Hop, et ouais, un peu de poisson aussi. Voilà, carrément tout. Ah, puis les gâteaux que j'ai mis, ouais. Ben voilà, c'est tout. Les tours, je n'aurai pas besoin, je pense. Ah oui, puis je me ferai, j'irai regarder des tutos un peu sur YouTube, tout ça, pour l'alchimie, parce que je suis toujours pas allé voir, pour me faire un peu de potions de potions de vie aussi, tout ça, des potions de force, ça me sera bien, je pense que ce sera me... Oh là là, je pense que celle... Excusez-moi, j'ai un peu de mal, c'est le soir là. Je pense que cela me sera très utile pour l'Ender Dragon. Voilà. Puis sinon, je pense que c'est tout. Ouais, je vais aussi me faire des pommes en or, comme je disais. Si j'en trouve, parce que j'en ai pas, des pommes en or. Attends, je vais prendre ça. La boule lumineuse, qu'est-ce que ça fout là, ça? Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Minecraft. Merci de l'avoir regardé. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me fait plaisir. De commenter, de vous abonner, ça aussi ça me fait super plaisir. De rejoindre ma page Facebook, le lien est dans la description. Ouais, n'oubliez pas de lire la description aussi.
À plus.